Vendredi dernier, c'était le troisième rendez-vous des estivales. Au programme de cette belle soirée, on retrouvait l'orchestre The Dancing qui a rythmé la place de l'Hôtel de Ville en interprétant leur répertoire musical adapté à tous les âges. Pendant plusieurs heures, les adeptes de la danse ou les novices ont pu tournoyer, seuls ou en couple, sur la piste réservée à cet effet. Pendant ce temps, le public venu nombreux pouvait également se restaurer grâce aux différentes associations présentes à cette soirée. Entre les Portes de l'Espagne, Gym Plus, Le Verlaine ou encore l'OMC, tout le monde pouvait se désaltérer et déguster des spécialités étrangères ou françaises. Un beau panel qui a permis aux spectateurs de se retrouver autour d'une table dans une ambiance chaleureuse et décontractée. Ensuite, ce fut au tour de la compagnie Micmac de monter sur les planches pour nous interpréter leur spectacle intitulé « Ne me quitte pas ». Une interprétation délirante qui met en avant les traditions écossaises où chaque objet est prétexte à des gags plus drôles les uns que les autres. Ces quatre comédiens ont tenté pendant une heure de nous faire partager leurs racines. Entre Whisky Time et Maladresse, la compagnie Micmac nous a proposé un spectacle de rue dynamique qui a su conquérir le cœur des Rombasiens.
chercher un vrai travail, j'entendais. Et enfin, pour terminer cette soirée, il y a eu la projection du film Charlie et la chocolaterie de Tim Burton. Un film fantastique qui parle d'une chocolaterie, bien sûr, et d'un concours lancé par Willy Wonka pour trouver son successeur. 5 enfants, dont Charlie, vont donc avoir le privilège de rentrer à l'intérieur de l'usine, interdite au public depuis 15 ans. Si des fois vous n'avez pas pu assister à cet événement, soyez donc au rendez-vous le vendredi 28 juillet à partir de 18h30 sur la place de l'Hôtel de Ville. Un nouvel estival vous sera proposé avec comme programmation The Dancing et des animations musicales africaines avec les Ndilans.